Et salut les BG, ici BG de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et aujourd'hui c'est enfin le comeback après plus d'un an, j'ai l'impression, de Somi qui nous revient avec le titre Dum Dum. J'ai vu les teasers, je crois que j'ai l'impression en tout cas que ça va se passer dans l'univers un petit peu étudiant, école, lycée. J'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas je suis trop content parce que j'aime beaucoup cette artiste et j'ai envie qu'elle continue à être plus présente tout simplement. J'espère qu'elle va pas remettre encore un an avant de nous sortir quelque chose. Mais juste avant de faire la réaction, j'avais envie de vous dire que j'ai fait, pour ceux qui l'ont pas vu, une vidéo sur une interview, ma première interview d'un groupe de K-pop. C'est un groupe de filles, elles sont pas du tout connues, elles viennent une petite agence. L'agence s'appelle Bayou et elles, ce sont les Beauty Box. Elles vont débuter en août et comme c'est ma toute première expérience en tant qu'interview sur ma chaîne, j'aimerais que vous alliez la regarder, mettre votre pouce et peut-être pourquoi pas que dans le futur, si la vidéo marche, dans les mois, dans les années à venir, je pourrais faire de plus en plus d'interviews et peut-être de groupes de plus en plus connus, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Je le répète, allez voir cette vidéo, ça me fera super plaisir et n'oubliez pas de commenter. Bon voilà, je vais pas plus vous embêter, je vais faire la réaction à Dum Dum de Somi, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, bam. My Day, elle parle de son anniversaire. Est-ce que c'est elle quand elle était toute jeune? Elle a des rêves, elle a une chambre incroyable déjà. Yeah, bim, bam. Yeah, c'est carrément ça, elle est devenue adulte. Elle a toujours la même chambre. Hein. J'allais dire c'est son ange gardien, non, c'est elle-même. Mais elle s'ennuie, on dirait, elle est toute seule. Elle a pas minci de fou. Ah ben voilà, j'en étais sûr. Le beau gosse, capitaine de l'équipe de je sais pas quoi. Oula, elle y va, carrément, cache, 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 cache. Elle est magnifique en tout cas dans cette tenue. Oula, mais elle y va direct, hein. Ouh. Oh, bien, bien, j'ai envie d'être plus fort, tiens. Est-ce que ça veut dire que c'est elle ou lui qui est folle de l'un de l'autre? Oh, mais c'est classe, oh là là. Je pensais pas qu'il y aurait ce son un petit peu boîte de nuit là, comme ça. C'était qu'un rêve, elle a pas du tout osé en fait. Ça reste une gamine, c'est ça le truc. En fait, elle s'imagine qu'elle l'aimerait. On aurait dit qu'elle était en train de tuer quelqu'un, mais ce n'était qu'un gâteau. Et là, ça passe à du trap de l'enfer. On dirait qu'elle a plus qu'une aile, il y a l'autre qui est complètement pété. Est-ce que c'est que dans son esprit que tout est déglingué comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment un futur qu'elle va vivre? En tout cas, elle est dans une boîte de nuit bien crade. Elle fait semblant de s'amuser, on dirait. Pas, c'est bizarre. Là, il y a encore le gars. Qu'est-ce que j'aime ce drop. Incroyable. Est-ce que ça va encore? Alors, est-ce que ça va encore être un rêve? Est-ce qu'elle fait vraiment ce qu'elle est en train de faire, de danser sur le comptoir et tout, pour se faire remarquer? Elle a tué le gâteau, mais elle le bouffe après. Je sais pas s'il y a un webtoon. Là, c'est la vérité. Là, elle est plus timide. Merci de m'avoir ramené mon cahier. Je confirme, elle est carrément plus mince qu'avant. Elle s'est faite inviter à une partie, à un match. Je sais pas si ça va continuer, mais... Je veux que ça continue parce qu'on dirait qu'elle s'est fait inviter à un match de là où il va jouer le gars. C'était court, non? C'est pas possible. Oh, la double personnalité qu'elle a. La triple personnalité. Il va y avoir une suite, c'est obligé. L'histoire est pas finie, loin de là. Oh, qu'est-ce que j'aime ce son, incroyable. Et là, je vous le dis rarement, là, en une écoute, moi j'adore. En une écoute, je sais que je vais la réécouter à boucle, à bloc. En boucle, j'ai mélangé les mots. Top, je pense que dès la suite de la réaction, je vais me la regarder tout seul et me la réécouter. Parce qu'honnêtement, bien entendu, à ceux qui me connaissent pas, qu'est-ce qui parle beaucoup, BJ? J'ai l'impression que j'ai battu un record de parlage encore une fois. Désolé pour ceux qui sont pas habitués, je dis tout ce qui me passe par la tête. Allez regarder si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et écouter le MV et la musique de votre côté. Je vais enlever ces écouteurs, ça ne sert plus à rien. Je l'ai répété, mais je trouve qu'elle est très mince, presque trop. J'espère qu'elle va bien. En tout cas, elle est super belle et super classe, et ce blond lui va à merveille. Et je m'attendais pas à. Je pensais que ça allait être un truc de l'été parce que c'est très coloré, c'est très pastel. Avec une luminosité très forte, mais grâce à la double personnalité qu'elle veut montrer, elle qui est très timide, qui veut sortir avec un garçon populaire, et les moments où on dirait qu'elle part en couille, là j'ai pas compris la scène avec le gâteau, on dirait une meurtrière, etc. On dirait qu'elle a une part de diable en elle qui a vraiment envie de s'extérioriser et d'être plus extravertie et d'avoir le courage d'aller lui demander. À la fin, on dirait qu'elle a le courage d'aller, enfin, de lui rentrer dedans pour qu'il ramasse ses cahiers, qu'elle arrive à lui prendre son téléphone, à lui demander son numéro de téléphone ou un truc pour le contacter, et qu'elle écrit des messages avec le gars, je veux dire qu'elle échange et qu'il
effectivement, ils vont peut-être sortir ensemble, mais on dirait même pas le début d'une histoire. Donc dites-moi ce que vous avez compris, ce que vous avez pensé de ma réaction et du MV. Et voilà, je n'ai rien à dire de plus. Je vais encore répéter, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ça m'aidera énormément de voir la vidéo que j'ai mis en premier, l'interview du nouveau groupe Beauty Box qui va commencer en août. Ça me fera super plaisir et ça permettra aussi de soutenir les filles, les pauvres qui viennent d'une petite agence et qui aimeraient bien réussir. Vous allez voir dans l'interview, ça se sent. Elles ont une chaîne YouTube, j'ai mis les liens en dessous de la description de ma vidéo interview. Si vous pouviez même partager et vous intéresser à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vais vous quitter sur ces bonnes paroles. Prenez soin de vous car c'est le plus important. Allez, ciao.